Eh bien, bonjour à tous, c'est The Farmer. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle présentation de mode. Alors j'espère que vous aurez bien aimé la cinématique que j'ai fait juste avant. Alors donc, pour ce mode, alors déjà, bon, on va parler plus en détail de ce mode. Donc je vais déjà vous dire quelques caractéristiques qui pourraient beaucoup vous intéresser. Donc déjà, la taille de tout ça. Oui, parce que quand même, regardez la taille. Si ça, c'est pas énorme. Je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait à la place être énorme. Voilà. Donc déjà, elle fait 145 mètres. Donc c'est déjà pas mal, franchement. Le prix, il coûte 75 000 euros. Donc ça, voilà, je vais pas débattre dessus. La vitesse de travail, donc je l'ai mis environ à... Elle peut aller jusqu'à 300. Alors moi, sur le site qui est en description, vous pourrez télécharger le mode. Je vous conseille de mettre à 80 km/h la vitesse de travail. Après moi, c'est juste des recommandations que je vous mets. La vitesse de route, je vous conseille d'aller à 200 km/h au-dessus. C'est pas vraiment contrôlable. La location, elle vaut 6000 euros. Voilà. Et les andins sont automatiques. Voilà. Donc c'est moi qui a modifié personnellement ce mode. Donc de base, je crois qu'il faisait 30 mètres à peu près dans ce genre là. Maintenant il fait 145 mètres. Il y a la mise en andin automatique aux deux bouts. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc déjà vous voyez qu'elle est énorme. Là, vous pouvez vraiment voir qu'il y a de la place quoi. Donc là je vais couper un tout petit peu pour vous montrer. Voilà, je viens de couper. Et regardez. Donc la mise aux andins, je l'ai mis à peu près à là. Donc en fait, il y a deux branches. Donc là, c'est la branche droite. Donc c'est tout ce qui coupe à gauche. Donc voilà, c'est mis là. Donc coupé là, bah, ça met là aussi. Donc les andins sont formés automatiquement du côté gauche et du côté droit. Ce qui est quand même assez cool parce que quand on n'a pas envie de ramasser... automatiquement les trucs, là c'est vraiment automatique, on n'a pas besoin de, vous voyez, de faire des bases, etc., de ramasser manuellement, là c'est tout automatique, c'est super bien. Donc voilà, ça c'est automatique. Donc à droite, je l'ai mis un peu plus en avant parce que alors ce que vous voyez pas, c'est que là le terrain est un petit peu en pente, donc celui-là rentre dans le sol. Voilà, vous voyez là il est dans le sol. C'est pas un bug, hein. C'est juste que le terrain est un petit peu en pente, donc il rentre dans le sol. Ce qui n'est pas grave, hein. Ce n'est juste quelques petits trucs à modifier. Donc il est totalement modifié, donc il est élargi, donc c'est super cool comme ça. N'oubliez pas que c'est en description. Et donc dans quelques minutes, je vais vous mettre simplement quelques images, donc en accéléré, pour vous montrer, tout simplement... Que ce champ là, donc là on est sur la map Mustang Valley Ranch, donc le champ 4 est rempli d'herbe et je vais vous montrer dans quelques instants qu'est-ce que ça donne rempli et tout ça enfauché en quelques, je l'ai fait en une dizaine de minutes, voilà, donc c'est assez rapide. Et sur ce, moi les gars, je vais vous retrouver juste après la cinématique.
même endroit. Donc vous avez vu que dans cette cinématique, vous pouvez vraiment couper très 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 facilement de grandes longueurs. Faut pas forcément avoir des faucheuses de 18 mètres. Là, vous en avez une de 145 mètres qui marche super bien. Les andins sont automatiques. Alors, qu'est-ce que vous voulez de plus? Alors, si vous voulez télécharger ce mode, il sera disponible en description sur mon site internet. Alors, la catégorie mode n'est pas encore réellement disponible pour le moment. Mais vous aurez déjà ce mode de disponible. Et donc, les gars. Ben, en tout cas, moi j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Moi sur ce, je vais vous dire à bientôt et dites-moi en commentaire si ce mode vous plaît, si la présentation de mode vous a également plu. Et moi les gars, je vais vous dire